Je me suis habitué, je ne sais pas si je dois appeler le pasteur ou maman Nadège ou les deux. J'ai appris ma leçon. I learned my lesson. On va recevoir maman Nadège et papa Tom. Alléluia! Alléluia! Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur, can someone applaud le roi for the de Lord, rois, for the King of Kings, ah, celui qui vit éternellement, the one who lives celui forever qui est au-dessus de tout nom, the one who's au-dessus above de all toute names, puissance, above all powers, au-dessus, il règne au-dessus de he toutes circonstances, il est Dieu. He's God. Vous pouvez nous rasseoir, s'il vous plaît. We can be seated. Notre Dieu est plus grand. Our God is greater. Il est plus grand que tout ce que nous pouvons penser de lui. He's greater than everything we can think about him. Quand tu arrives à un moment où tu te dis, when there comes a time and you say, là je comprends, je comprends Dieu. There I think I understand God. Tu n'as pas encore compris. You haven't understood him yet. C'est un Dieu plus grand que tout. He's a great God, greater than all. Plus grand que les circonstances. Greater than the circumstances. Plus grand que toutes les situations qui semblent compliquées dans nos têtes. Greater than all the situations that seem complicated. J'aimerais que quelqu'un ce soir, I want someone tonight, proclame avec moi, proclaim with me, que Dieu est plus grand. That God is greater. Que les yeux de quelqu'un s'ouvrent ce soir. Open tonight. Pour qu'ils voient combien son Dieu est plus grand. So that they can see how great the God is. Combien son Dieu est plus grand que how toute situation, que toutes les circonstances. Than all situation circumstances. Je t'aime, Jésus. Je t'aime, Seigneur. Tu es ma raison de vivre, Jésus. Ma raison de me tenir ce soir en ce lieu. Jésus, ma force et ma vie. Oh, Jésus, Jésus. Seigneur Jésus, je t'aime. Je me donne tout à toi. Que les écarts de mes yeux tombent pour que je te voie dès que tu es. Ramène-moi aux choses simples qui me montrent ta grandeur. Les cieux et la terre suffisent pour décrire toute ta splendeur. Ouvrons mes yeux que je voie ton armée qui m'entoure. Que je cesse de croire à la tare des illusions que j'affronte la nuit, le jour. Tu es plus grand que tout ce qu'on dit de toi. Vraiment grand que tout ce qu'on l'on dit si bas. Tu es plus grand que les mots du dictionnaire. Ouvrons mes yeux que je voie ton armée qui monte.
toi. Tellement grand que tout ce qu'on l'anticipe, tu es plus grand que les mots du dictionnaire. Tellement grand que tout ce que tu fais, ta tête monnaie. Oh, sa monnaie, monnaie. Oh, sa, alléluia, monnaie. Oh, sa monnaie, monnaie. Ramène-moi aux choses simples qui me montrent ta grandeur. Les cieux, la terre suffisent pour décrire toute ta splendeur. Ouvre mes yeux que je voie ton âme qui m'entoure, que je cesse de croire à la tarde illusion que j'affronte la nuit, le jour. Ce ne sont que des illusions. Ce que tu vois, ce ne sont que des illusions. Ton Dieu est plus grand. Il est plus grand que cette situation. Il est plus grand. Il est plus grand. Il est plus grand, plus grand. Seigneur, j'aimerais que quelqu'un le déclare ce soir, le proclame. Ah, que quelqu'un proclame sa grandeur ce soir. Proclaim the greatness of God. Tu ne peux pas laisser la peur te paralyser. Don't let fear paralyze you. N'aie jamais laissé cette peur prendre de la place. Ton Dieu est plus grand que cela. Don't let fear reign. Your God is greater. Mon aîné, oh, oh, ça, mon aîné, oh, ça, oh, oui, plus grand tu l'es, Seigneur, plus grand tu l'es, Seigneur, je te lève au-dessus de tout nom, au-dessus de toute circonstance, au-dessus de toute situation, au-dessus de la maladie, au-dessus des choses que je ne comprends même pas, au-dessus de tout. Oh, Robo Sandara Machet, Ikaraba Kontoroboshe, Yendaraba Kontoroboshe, Nderebe Ndoroboshe.
prononcer maintenant avec tes propres mots. Can you say it in your own words? Combien il est grand. In your own words, tell God how great he is. Alléluia. Tu es plus grand, Seigneur. You are great, oh God. Seigneur, à chaque fois quand cela dépasse mon entendement, you are greater than what we are. Quand mon intelligence ne sait plus comprendre quoi que ce soit, je ne fais que proclamer ta grandeur. I can only but proclaim your greatness. Je ne fais que proclamer ta grandeur. I can only but proclaim your greatness. Je te lève, Seigneur, au-dessus de toute situation. Oh. Above all situation is your name. Et là je vois ta grandeur. And there we see. Et là je vois combien tu es plus grand. We see how you are greater. Ah, là je vois combien tu es plus grand. That you are greater than all. Des situations difficiles. Greater than tough situations. Des situations incompréhensibles. That situations that are beyond our understanding. Ah, mais tu manifestes ta grandeur, Seigneur. You show your greatness, Lord. Tu manifestes ta grandeur, Seigneur. You show your greatness, Lord. Tu manifestes ta grandeur, Jésus. You show your greatness, Jesus. Tu manifestes ta grandeur. For Jesus. Au-dessus de tout nom. Above all. Au-dessus de toute puissance. Above all powers. Indorobos. Inderebe kontorobos. Ikaraba kontorobos. Ekaraba kontorobos. Flamme de cet amour qui brûle en moi plus haut. C'est pour toi, Eliane. La flamme de cet amour qui brûle en moi plus haut. C'est pour toi, Eliane. L'Eliane dans tes bras, je deviens encore plus fort. Quand je suis avec toi, je suis au-dessus de mes problèmes. Quand tu me couvres de tes ailes, je suis à l'abri de douleur. Du haut de Dieu où tu te tiens, quand je prends mon envol et je marche avec toi au plus haut. Là où tu es, elle est bien. Dans mon corps, il n'y a plus de douleur. Elle est bien. Dans mon âme, je ne sais me retenir. Elle est bien. Dans tes bras, je prends de l'envol. Car la flamme de cet amour qui brûle en moi plus haut. C'est pour toi, Eliane.
la flamme de cet amour qui brûle en moi plus haut, plus haut, plus haut. Héritier du malheur par le sang avec l'enga con innocent. Si mon condi mon enandi mi kokou felanda. So qui ote ma si andenga. Et si la koufa kalaye. So qui ote ma si andenga. Et si la beba kalaye. So qui ote. Babenanga akufa lobi, kasibaye lobi, bakutinga en bonne santé, po babenga kayo jova rafa. Balenge linga motambo dans le noir, kasiba bosani mon berger, est aussi la lumière qui éclaire mon âme en tout temps. Mon konzinanga tanabutu, abate la ka santé, famille, entreprise, baby loko nyon se zanga. So ki yote, masi yandega yo. Mena beba wo so ki ote masi andenga lo esina kufanga wo so ki ote Zambe a seconde chance bisika bato bakangi bikuke olobina nga okofungola pona leka lisusu ya. Si je n'avais pas pour moi le Dieu de Jacob, Namitunu na koka koko mawabi, na otawa mboka malili tongo midi mboko. Basala ba plan,
balenge la kutu jusqu'à la dernière minute. Kasisu kasuka mon konzinanga kotili kambango. Soki ote masi andenga esina kufaka o. Soki ote masi andenga esina bebaka o. Soki ote. Je sais pourquoi je l'adore à genoux. Bobby Lembo, y'a mon thème. Recevoir
l'immensité de ta grandeur. Me montre que je ne suis rien. Et quand tu façonnes la terre, j'étais déjà près de ton cœur. Tu m'aimes avant que je ne sois. Et pour moi, tu as tout donné. Tu es le seul Dieu que je adore. Toi seul as pu me libérer. Alone are worthy. De recevoir louange et gloire pour l'éternité. Receive praise. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire. Digne est l'agneau. Digne est l'agneau. Tu es saint, 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 éternel Dieu, tu puissant. Digne l'agneau, digne l'agneau.
Lamb. Glory is the Lamb. You are holy. You are holy. Yes, God. Are you Lord? Are you Lord, yeah? Of my heart, where is the Lamb? Where is the Lamb? Oh, I'm lost without you. Oh God. Je ne veux rien,
Si tu sais comment te fortifier, vas-y, fortifie-toi maintenant ce soir. Avaliga Shabayandele de Boshata. C'est Mambaragio, Vala da Chave, Landa la Grabo, Nandia Bosch, Vala Kotorobaye, Mandili de Boschama, Babayago, Babayago, Vatalagi Shabra de Lobo, Yemanda la Kar, Mami Ebonoso, La Brisa Kadesh, Bala Bayando, Les Amandali, et la Grina de Bosch, Vatamayados, Debra de Lobo, Mambaya Kalada Shalabayado, Ebra de Lobo Shaka, hey! C'est le moment de te parler à toi-même. Dis-toi à toi-même dans la présence de Dieu. In the presence of God. Dieu me donne une seconde opportunité. God is giving me a second opportunity. Dieu me donne une seconde opportunité. God is giving me a second opportunity. Dieu me donne une seconde chance. Dieu me donne une seconde chance. Dieu me donne une seconde opportunité. Je ne m'arrêterai pas à mes échecs. Je ne m'arrêterai pas à mes échecs. Je ne m'arrêterai pas à mes échecs. Je ne m'arrêterai pas à mes tâtonnements. I won't stop in my doubting. Je ne m'arrêterai pas là où j'ai échoué. I won't stop where I failed. Ça ne fait que commencer. It's just the beginning with God. Ça ne fait que commencer. It's just the beginning with Celui God. Qui est en moi est plus puissant que the celui qui est dans ce monde. Is greater than the one in the world. Celui qui est en moi n'a pas de limite. Il n'a pas de limite. My God has no limits. Il n'a pas de limite. My God has no limits. You have no limits, God. Hallelujah. You have no limits, God. Il a des projets de bonheur et non de malheur. Il a des projets de paix. Merci pour ta présence au milieu de nous ce soir. Thank you for your presence in our midst tonight. Merci pour ta gloire au milieu de nous ce soir. Thank you for your glory in our midst. Merci pour ton encouragement dans nos esprits. Thank you for your encouragement tonight. Merci de nous fortifier. Thank you for strengthening us. Nous sommes une armée forte. We're a strong army. À cause de ton esprit. Because of your spirit. Qui agit au milieu de nous. That acts within us. Au nom de Jésus. In the mighty name of Jesus. Est-ce qu'on peut acclamer encore le Seigneur? Can someone give a clap offering to Jesus? Gloire à Dieu. A clap offering to Jesus. Amen.
c'est bien, nous pouvons nous asseoir en saluant nos voisins de gauche et de droite. Please be seated and greet your neighbor for me left and right. Si c'est la première fois que vous le voyez, pouvez bien lui demander son prénom. If it's the first time you see them, ask them what's their first name. Si vous l'avez déjà vu, alors saluez-le par son prénom. If you know their name, just greet them by saying it. Encore une fois de plus, j'aimerais remercier le pasteur Michaud, maman Cici et tout le corps pastoral. I want to thank Pasteur Michaud, Pasteur Cici and the entire pastoral team. Et à toute l'équipe qui nous sert depuis que nous sommes ici. And the entire team that has been serving us since we've been here. Ceux qui préparent pour nous. Those who are cooking for us. Qui se rassurent du son, de la technique, de la propreté, merci beaucoup. Those who are taking care of the technical part, the cleaning, thank you very much. Nous savons qu'il y a beaucoup de héros dans l'ombre. We know that there are many people in the background. Qui travaillent pour notre bien-être depuis que nous sommes là. That work for our welfare since we've been here. Et nous tenons vraiment à vous dire sincèrement merci. And with, it's with the greatest heart that we say thank you. Hier, nous avons commencé le sujet appelé un second temple. Yesterday, we began talking about a second temple. Je donnais ensemble avec vous le contexte du texte de Agée chapitre 2. And we're going to give together the context of the book of Haggai chapter 2. Du premier, on a lu premier verset. We read verse 1. Jusqu'au verset 9. Till verse 9. Je promis hier que nous allions parler de quatre points ou quatre leçons tirées de ce texte au sujet du second temple. And I said that we're going to draw from four lessons or four teachings from the second temple. Donc hier, nous avons parlé d'une première leçon. Yesterday, we spoke about the first lesson. Était celle de combattre la tromperie des apparences. So which was to fight the falsehoods of appearances. Quand Dieu veut bâtir un second temple, when God wants to rebuild a second temple, il prévient toutes les générations. He warns all generations. Que ce soit l'ancienne génération, whether it's the old generation, ou la nouvelle génération qui veut commencer la nouvelle histoire, or the new generation that's about to begin the new story, de ne pas se fier aux apparences. To not trust in appearances. Et deuxièmement, secondly, nous avons parlé de fortifie-toi et travaille. We spoke about strengthening yourself and getting to work. J'ai passé beaucoup plus de temps d'abord à expliquer que veut dire se fortifier. I spent time speaking about what it means to strengthen yourself. Et je commençais à donner quelques exemples bibliques de comment se fortifier. And I gave certain biblical examples in how one can strengthen themselves. Par la méditation de la parole, j'expliquais ce que ça voulait dire. And by meditation of the word, we explain what that means. Je parlais par un cantique nouveau, un chant nouveau que Dieu met dans nos cœurs. We spoke through a new song that God places in our heart. Je parlais de l'adoration. We spoke about worship. Et je aussi insistais sur le parler en langue. And then we emphasized by of the importance of speaking in tongues. Je vais relire les textes avant de continuer donc les autres leçons de ce soir. I'm going to read the text from which we're going to draw the rest of the lessons for today. Le 21e jour du 7e mois, la parole de l'Éternel se révéla par Agée le prophète en ces mots. In the second year, the word of the Lord revealed himself in Haggai in these words. Parle à Zorobabel, fils de Sheltiel, gouverneur de Juda, à Josué, fils de Yoshadak, le souverain sacrificateur, au reste du peuple, et dis-leur. Speak to Zerubbabel, son of Jeshel, governor of Judah, to Joshua of Zoroa, the high priest, and the remnant of the people. Ask them. Quel est parmi vous le survivant qui ait vu cette maison dans sa gloire première? Et comment la voyez-vous maintenant? Telle qu'elle est, ne paraît-elle pas comme rien à vos yeux? Who of you is left who saw this house in its former glory? How does it look to you now? Does it not seem like nothing? Maintenant, fortifie-toi, Zorobabel. But now be strong, Zerubbabel. Dit l'Éternel. Declares the Lord. Fortifie-toi, Josué, fils de Josadak, souverain sacrificateur. Be strong, Joshua, son of Josadak, the high priest. Fortifie-toi, peuple entier du pays. Be strong, all you people of the land. Dit l'Éternel. Declares the Lord. Et travaillez. And work. Car for je suis avec vous. I am with you, dit l'Éternel des armées. Declares the Lord Almighty. Je reste fidèle à l'alliance que j'ai faite avec vous quand vous sortîtes de l'Égypte et mon esprit est au milieu de vous. Ne craignez pas. This is what I've covenanted with you when you came out of Egypt, and my spirit remains with you. Do not fear. Car ainsi parle l'Éternel des armées. This is what the Lord Almighty says. Encore un peu de temps. In a little while. Et j'ébranlerai les cieux et la terre, la mer et le sec.
I will once more shake the heavens, the earth, the sea and the dry land. J'ébranlerai toutes les nations, les trésors de toutes les nations viendront et je remplirai de gloire cette maison, dit l'Éternel des armées. I will shake the nation and what is desired by all nations will come. I will fill this house with glory, says the Lord Almighty. L'argent est à moi. The silver is mine. Et l'or est à moi. The gold is mine. Dit l'Éternel des armées. Declares the Lord Almighty. La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première. And the Bible said the glory of the present house will be greater than the glory of the former house. Dit l'Éternel des armées. Says the Lord Almighty. Et c'est dans ces lieux que je donnerai la paix. And in this place I will grant peace. Dit l'Éternel des armées. Declares the Lord Almighty. Fortifie-toi et travaille. Be strong and work. C'était le deuxième point. This is the second point. Après avoir expliqué que voulait dire se fortifier, after having explained what it means to strengthen yourself, qui n'est pas une responsabilité de Dieu d'abord, mais de nous plutôt, which is not first a responsibility of God, but our own responsibility. Parlons de l'autre côté où Dieu insiste sur travailler. But now let's speak about the second part of this where God speaks about working. Travailler. Working. Mettre ses efforts. Putting your efforts. Il y a dans le corps du Christ de plus en plus de théories qui expliquent la grâce d'une manière décevante. There are lots of theories in the body of Christ that begin to deceivingly portray grace. En présentant la grâce comme comme si Dieu faisait tout sans nous, pour nous. As though it was God doing everything for us without us. Comme si la grâce était un moment où Dieu a tout fait pendant que nous on est assis et il vient juste nous servir. It's as though God was, we were sitting down, God will get up, just come and serve us as we're relaxing. Cela est totalement en contradiction avec les intentions de Dieu pour créer l'être humain. But this is everything against the intention of God when he created us. Le Dieu actif qui a pris 6 jours de travail et qui se reposait un seul jour. The God is active. He worked 6 days and only rested one. N'a pas créé l'homme pour qu'il puisse s'asseoir pendant 6 jours et être actif un jour. He didn't make man to be seated for 6 days and be active only on one day. Non. No. Dieu a donné l'exemple du travail. God gave the example of working. Le tout premier exemple que Dieu a donné à l'univers. The first example God gave us. C'est le travail. It's working. Et il ne l'a pas fait une fois. And he didn't do it one day. Pas deux fois. Not even twice. Dieu aurait pu créer l'univers avec une seule phrase. God could have created the entire universe with one word. Mais il a pris 6 jours. But it took 6 days. En train de créer, de créer, de créer. Creating, creating, and creating some more. Pour apprendre la force et la loi du travail et la loi du processus. So that he can teach us the law of working and the law of the process. On n'arrive jamais à destination sans le processus. You never reach a destination without going through a process. On n'obtient pas les résultats sans le travail. You cannot obtain results without working. En effet, in fact, selon la Bible, according to the Holy Scriptures, le culte, worship, la réunion de culte, un moment où l'homme vient adorer Dieu, rendre à Dieu des hommages, where you come and pay homage to God, doit être, has to be, l'expression de notre travail. The expression of our work. Les cultes est pour ceux qui ont cultivé. Our worship is for those who have worked. Du reste, le mot culte vient d'un ancien mot qui veut dire cultiver. It actually means to cultivate, to work the land. Travailler la terre. To work the land. Prendre la terre que Dieu nous a donnée, la transformer. To take the land that God has given us and transform it. Et perpétuer ce que Dieu a créé le premier jour. And continue with the work that God created. Je sais que ça, c'est un peu différent de tout ce qu'on a appris déjà. I know it may sound a bit different from what we've heard before. Quand Dieu a créé, when God created, il n'a pas créé les semences. He didn't create seeds. Il a créé déjà les arbres. He already created trees. Et il a donné à l'homme la responsabilité, and he gave us the responsibility, de perpétuer la création, to continue the creation, par un processus. Through a process. L'homme prend le résultat de Dieu, man takes the result of God, et il va maintenant reprendre le processus. And he will continue the process. Tout ce qui est sur la terre, everything on earth, fonctionne par la loi des semailles, works by the law of sowing, processus,
process et moisson. And then reaping. Mais quand Dieu a créé, but when God created, il a créé déjà le résultat final. He already created the final result. Vous êtes là? Are we together? On va y aller. Let's go. Dieu a créé les arbres, les animaux. God created trees, il a animals. Créé l'être humain. Created the human being. On se sent qu'on lit les textes qu'il a créé un être majeur. But you can say that he just created a major being. Mais vous ne pouvez pas perpétuer des êtres humains en créant des êtres majeurs. But you cannot continue perpetuating human beings by just creating a major human being. La multiplication des êtres humains, the multiplication of human beings, se passe par la loi de la semence, begins by the law of sowing, de processus, and then there's a process, et de la moisson, and then there's reaping. Exactement comme toute la création. Like everything else in creation. Pour que nous puissions avoir encore des êtres humains, for us to have other human beings, les parents ne disent pas que mon fils soit. My children, parents don't say, let my son be. Okay. Are we? Vous faites semblant comme si vous m'avez très bien compris. Y'all know what I'm talking about. Je sais, quand tu parles de ça, tout le monde revient. Y'all look so serious, but y'all know what I'm talking about. Bien compris, très très bien compris. You know what I'm talking about. Alors, le cultivateur ne va pas dire que la... que l'arbre soit. The sower does not say, let the tree be. Nous sommes obligés, we are obliged, de placer quelque part, to place somewhere, de laisser le temps faire son travail, to give time its et work, d'obtenir le résultat à la fin. And to obtain the results at the end. C'est ce qu'on appelle travailler. This is what's called working. Quand vous voulez obtenir les résultats, when you want to obtain the results, sans le travail, without working, vous commencez à aller à l'encontre de Dieu. You are going against the principles of God. Quand vous voulez obtenir les résultats, when you want to obtain results, sans la sémence, without sowing, vous allez à l'encontre de Dieu. You're going against God. Je vais encore mieux expliquer ça. Let me explain it further. Le diable a proposé à Jésus dans Matthieu chapitre 4, Luc 4 aussi si vous voulez, the devil proposed to Jesus in Matthew 4 or Luke 4, de prendre la pierre, to take a stone, et de la transformer en pain, and to convert it into bread. Jésus a refusé. Jesus refused. Mais but un jour, one day, pendant que les gens avaient faim, while people were hungry, et qu'ils n'avaient pas assez de nourriture, and they didn't have enough food, Jésus a pris le pain, Jesus took bread, et l'a multiplié, and multiplied it. Mais but si le diable était là, dit, oh, je t'ai attrapé, tu as multiplié les pains, tu vois là-bas, tu avais refusé, pourquoi? The devil said, you see, you refuse. Now you're multiplying bread, Jesus. Come on. C'est simple. Simple. On ne multiplie que dans la même nature. You only multiply something of the same nature. Chaque fois qu'on veut que tu sèmes une chose, every time we want you to sow something, pour en récolter une autre, to reap another, sans le temps du processus, without the time of the process, ça s'appelle de la magie. It's called magic. Eh? Mm-hmm. Okay. Vous savoir, hein? Okay. Donc on fait entrer une souris. You put a rat in. Dans quelques secondes. In a few seconds. On fait ça. You do this. Ça devient un lapin. And then it becomes a rabbit. Ça s'appelle la magie. It's called magic. Vous faites entrer deux souris. You put two rats inside. Une souris et un rat. Demain ils ont des bébés. And you put a mouse and a rat. Tomorrow they have a baby. Ça s'appelle la loi de Dieu. That's called the law of God. Si vous voulez des souris, if you want mice or rats, mélangez les souris. Just mix them together. Si vous voulez des lapins, if you want rabbits, mélangez des lapins. Put rabbits together. Si vous voulez des pains, if you want bread, donnez-moi des pains. Give me bread. Si vous voulez des poissons, if you want fishes, donnez-moi des poissons. Give me fishes. C'est là le problème que nous avons. Now this is a problem we encounter. Nous prions 6 jours et nous travaillons 1 jour. We pray 6 days but work 1 day. C'est ce qui nous empêche de compléter notre culte. And that what prevents us from fulfilling our worship. Un élément important du culte s'appelle l'offrande. One important element of worship is offering. Et calmez-vous. Je veux pas demander des offrandes. So I won't ask for your money today. Jeez.
Parce qu'il y a des gens quand ils entendent le mot offrande, because when people hear the word offering, ils rentrent rapidement à la maison déjà. They go back at home already. Ils disent heureusement que je n'ai pas amené ma carte aujourd'hui. You say, oh, good thing I didn't bring my wallet today. Parce que ces gens-là quand ils commencent à demander des offrandes, ton cœur il bat, c'est moi tu vas finalement donner. Because when they begin asking, I might just like swipe the card. Non, je suis pas dans ça. We're not into that. Écoutez plutôt la parole de Dieu. But let's listen to the word of God. N'ayez pas peur de votre argent et de vos bijoux. Don't be afraid of your money and your necklaces. Je vais pas aller là-bas. We're not going there. Parce que quelquefois nous créons des forteresses qui nous empêchent même de comprendre la parole. Because sometimes we create fortresses that prevent us from understanding the word of God. On a placé déjà des alertes. Quand il y a un mot offrande plus pasteur congolais, ça veut dire. When you're offering plus Congolese pastor, this means whoa. Donc n'ayez pas peur. So don't worry. Enlevez les parafeux. Ce n'est pas un virus. C'est la parole de Dieu. Take out your firewall. It's not a virus. It's the word of God. L'offrande est l'élément essentiel du culte. Offering is an essential element of worship. Depuis les premiers cultes qui puissent exister dans le jardin d'Éden. Since the first worship in the Garden of Eden. Il y a toujours une offrande. There was always an offering. Même pour restaurer notre relation avec Dieu. Even to restore a relationship et que nous soyons capables de lui rendre culte. And so that we may be able to worship him. Jésus s'est présenté comme une offrande. Jesus presented himself like an offering. La raison pour laquelle Dieu faisait travailler, Dieu a travaillé 6 jours. That's why God worked 6 days. Et il s'est reposé un seul jour pour le culte. And only rested one day for the worship. C'est de donner aux hommes un principe. Is to give us a principle. Ils doivent prendre tout le temps de travailler. They have to take all the time to work. Pour préparer l'offrande. To prepare the offering. Ok. Suivez ça bien. Let's follow this. Vous avez 100 brebis. Let's say you have 100 sheep. Et chaque samedi, and every Saturday, vous devez offrir un brebis, une brebis plutôt. You have to offer one sheep. Vous devez les brûler pour Dieu. You have to burn it for God. Et si pendant la semaine vous avez commis un péché, vous devez en tuer un autre pour la culpabilité. So let's say you committed a sin during the week, you have to kill one more to cover your guilt. Et il y en a un autre pour rendre grâce à Dieu. And then there's another one to give thanks to God. Je suis sûr que au bout de 3 mois, I'm sure in 3 months, votre religion va vous appauvrir. Your religion will make you poor. Vos offrandes à votre Dieu. Your offerings to your God vont diminuer le nombre de vos brebis. Will reduce the number of your flock. Plus vous approchez de Dieu, the closer you will be drawing to God, plus vous appauvrissez. The poorer you'll become. À condition que, unless vous travaillez tous les jours, you work each and every one of those 6 days, pour que ces brebis se multiplient, so that those sheep can multiply, et que vous puissiez donner à Dieu que ce qu'il a demandé, and you can only give to God what He asks, et que vous passiez plus de temps à multiplier les brebis, and you spend more time in multiplying the sheep, qu'aller en donner à Dieu, and less in giving them to God. Est-ce que vous êtes en train de me suivre très bien? Are you following each other? Non, je veux vraiment que vous puissiez bien me suivre là. I want you to follow me. C'est que les autres côtés, les gens disent amen. C'est ce côté ici qui se bloque des fois. As people at back are saying amen, but here in front they're still quiet. Et voilà ce que nous faisons. So this is what we do. Nous venons chez Dieu. Come to God. Et nous lui disons. We say. Seigneur, bénis-moi. Lord, bless me. Celui qui ne travaille pas n'a pas besoin de la bénédiction. The one who does not work does not need a blessing. C'est pourquoi chez nous chrétiens, le langage bénédiction signifie gratuité. That's why for us Christians, the word blessing means free. Elle dit, Seigneur, bénis-moi. Lord, bless me. Touche-moi les cœurs de quelqu'un là-bas qui vient. Il me donne 100 000 dollars comme ça. Bam! Someone can give me 100K right there. Ça, ça s'appelle pas de la bénédiction. That's not called blessings, brother. La Bible enseigne la bénédiction. The Bible teaches blessings. Comme l'amplificateur des œuvres de vos mains. As the amplificator of the works of your hand. Je répète. Let me repeat. La bénédiction. Blessings et la manière dont Dieu is the way to reach God, donne de l'accélération et de l'impact à un niveau exceptionnel, gives impact and acceleration at an exceptional level, à ce que vous faites, to what you are already doing. La bénédiction est un multiplicateur. Blessing is a multiplier. Tout nombre multiplié par zéro, every number multiplied by zero, égal à zéro. C'est pour cette raison qu'on parle beaucoup de la bénédiction à l'église. That's why we speak a lot about blessings at church, mais ça donne comme résultat but it gives like a result, zéro.
Nothing. C'est pour cette raison That's why. Que les gens s'aiment beaucoup à l'église. People saw a lot at church. Et ça donne comme résultat It gives like a result. Zéro. Zero. Parce qu'ils pensent Because they're thinking que donner à Dieu that giving to God c'est lui mettre au travail pour aller nous reposer. Is to put God to work so that we can rest. Non. No, that's not how it works. Donner à Dieu, giving to God, c'est le prendre partenaire dans le travail que nous devons continuer à faire. Is to for him to be a partner in the work we're continuing to do. Celui qui donne, the one who gives, doit travailler. Has to work. Sinon, vous allez venir à l'église avec un cœur lourd. Or else you're going to come to church with a heavy heart. Au bout d'un moment, vous allez créer votre propre doctrine. You're going to create your own doctrine. Ces histoires-là de donner là. Est-ce que Dieu, c'est lui qui bouffe cet argent? Giving. Does God use that money anyway? Vous avez déjà vu Dieu manger une quelconque offrande depuis la Bible? Have you ever seen God make use of any offering since the Bible? C'est pas comme si on a inventé ça aujourd'hui. It's not like we invented these things today. Les sacrificateurs, ils mangeaient ça. The priest ate it. C'est seulement donner à Dieu It's just giving to God un moyen It's a mean de faire des uns et des autres source de bénédiction. To make others around us a source of blessing. Dieu dit, voilà, moi j'ai des besoins ici. God said, I have needs here. Je ne peux pas fabriquer de l'argent au ciel, le contrefacteur est puni de servitude pénale. I said that I cannot manufacture money or else I'm going to go to jail. Alors je donne l'ordre parce que tout est à moi, toi tu lui donnes à lui. I'm going to give the order. You're going to et give moi to je vais him. Te donner là-bas. And I'm going to give et you je vais l'ordonner à lui de te donner. And I'm going to command him si to give toi you. Tu respectes quand je t'ordonne de donner, If you respect when I order you to c'est give, lui à qui je donne l'ordre pour te donner respectera aussi pour te donner. The one I give the order will also respect. Voilà qu'est-ce que je fais. Here's what Puisque I'm going to tu me donnes à moi, je vais me. Te montrer que je suis un amplificateur valable. I'm going to show you that I'm an amplificator. Si tu me donnes, je If ne te remettrai jamais à la même mesure. I will never give it je te donnerai toujours à une mesure plus débordante que tu puisses jamais imaginer. I'll give it greater than what you expect. Quand tu me donnes, When you give, quand tu iras sur le terrain, When you go on tu your investiras field, très peu. You'll invest mais little. Les résultats t'étonneront toujours en grand. But the results will be greater. Frères et sœurs, Brothers la bénédiction sisters, fonctionne avec ceux qui travaillent. The blessings works with those who work. Travailler ne signifie pas aller au bureau dans l'entreprise de quelqu'un. Working does not mean to go to someone's office. Travailler veut dire faire fonctionner les idées qu'il y a dans notre tête pour notre propre bénéfice. It means to use the ideas in your head for your own benefit. C'est ce que ça signifie. That's what it means. Travailler, mes frères. Working, my brothers. Ne signifie pas porter une cravate et une veste. Does it mean to wear a suit and tie? Il y a des gens en veste et en cravate. That people were wearing suit and tie. Très mal payés. Poorly paid. Mais des gens avec des gants et de la saleté. But people with gloves. Les plus riches du monde. The richest of the world. On ne travaille pas pour la prestige. You don't work to be prestige. Non, non. No way. Vous ne travaillez pas pour être beau. You don't work to be beautiful. C'est votre argent qui vous mettra la beauté dont vous avez besoin. Your money will make you beautiful. Au moment de travail, on ne cherche pas la beauté. When you're about to work, don't try to be cute. Tu as déjà vu une femme aller accoucher et mettre de make-up? Have you seen a woman giving birth with her make-up on? Ça, c'est le temps de donner la vie. This is time to do serious work. Dès qu'on aura donné la vie, alors on commence à briller. So then we begin shining. Les problèmes avec toi, c'est que tu ne veux pas travailler. The problem is that you don't want to mais work, tu veux avoir la bénédiction. But you want to have the blessing et quand on te dit travailleur, And when we say work, tu te dis, je vais commencer où dans tous ces Canada. You say, well, I'm going to begin all this Canada. Il y a des gens qui ne vont même pas au bureau. People that don't go qui to travaillent office. Seulement avec leur ordinateur. Just with a little computer. Il y a des gens qui sont ici. People who are here. Il travaille nulle part. They work nowhere. Mais il fait fonctionner son argent au pays. But he makes his work, money work Pourquoi back in the country. Pourquoi tu es limité? Why are you so limited? Il y a encore tellement de travail. There's so much work to do. Quand il n'y avait pas Facebook, qui croyait qu'on allait inventer encore quelque chose de nouveau? Who thought when there was no Facebook, who thought we were going to invent something Quand new? Il n'y avait pas encore WhatsApp, qui croyait qu'on pouvait encore avoir WhatsApp? When WhatsApp, who thought we could have something like it? Quand WhatsApp ne partageait pas encore des dossiers. Des documents. When WhatsApp couldn't share documents. On n'imaginait pas. You didn't think Tout about le monde it, a senti, ah, mais ce serait bien si on partageait des images et des documents. Boum, on partage des documents. People say it could be good if we share pictures. Whoa, there it comes. Quand il n'y avait pas Uber, qui a pensé qu'on pouvait avoir Uber? When there was no Uber, who thought about it? Non, vous pouvez pas imaginer qu'il n'y a plus de travail. And you cannot say to yourself there's no more work. Écoutez-moi bien. Listen, brother. Les gens qui n'inventent pas. People that don't invent. Passent leur temps à inventer des choses sur les autres. Spend their time inventing things about others.
Ils réduisent leur créativité. They reduce their creativity. Ils transforment l'intelligence en malice. They use their intelligence for wickedness. Ils prennent leurs réflexions et en font la ruse. And they use their thinking to l'homme a la puissance de l'imagination. Man has the power of imagination. Mais si vous commencez juste à l'investir pour imaginer les mal chez les autres, but if you only invest it to see the wicked vous vous disqualifiez dans votre habilité à imaginer les bonnes choses dans ce monde. You disqualify yourself in your ability to see vous n'avez pas le temps à investir dans la vie de quelqu'un d'autre. You don't have time to invest about someone else's blessings. Frère, vous savez, il y a des gens qui, quand vous les regardez, you know, brothers, the people you look at them, ils sont passés spécialistes en atomologie. They are specialists in intentionality. Non, c'est dit atomologie, donc la science qui étudie atoms. Oh, okay. They're specialized in atomology. C'est-à-dire qu'ils sont spécialistes en vous. They are specialists in you. Ils vous connaissent bien. They know you well. Et, hey, mais qu'est-ce que tu fais avec ces garçons-là? You say, what are you doing with non, that boy? Il n'est pas bon pour toi. He ain't good for you. Mais c'est moi, non? Hey, quand tu dis qu'il n'est pas bon, il n'est pas bon pour qui? Who is he not good for? Il parle de foi de toi comme si tu étais absent, mais je suis là. You speak about Jesus, I'm right here. Ah non, il y a bon noté. Oh. I am good for you. C'est-à-dire, toi tu manges. You eat. Et ils sentent le goût. And then they smelling it. They feeling the food. Au lieu de poser des questions et de savoir qui a eu son argent par la magie, who had his money by magic? Gagne ton argent à toi-même par ton travail. Make your money by your work. Au lieu de commencer à repérer instead of trying to quel véhicule était de... C'est ça, il n'a même pas encore fini l'argent de ce véhicule-là en banque. C'est encore une dette. La banque finira par lui prendre soi. The bank will finish by taking it. Prends ton temps à travailler. Work. Stop criticizing. Ne travaille pas pour t'acheter des choses, pour dépenser. Don't work to buy you things that you're gonna ne fais pas un salaire difficilement pour l'apparence. Don't just spend your money on quelqu'un your clothes. Fait trois boulots. Someone works three parce jobs qu'il rêve une grosse Jeep. Because he's thinking about a big Jeep. Sérieux? Seriously. Trois boulots. Three jobs. Pour acheter une grosse Jeep. To buy a big Jeep. Et sans compter l'argent de tax refund du début de l'année. Don't not even including the tax refund at the beginning of the year. C'est dit non avec le tax refund. You say I'm gonna get from tax refund. J'aurais peut-être 3000. 3000 there. Avec les deux boulots. Two jobs. J'aurais peut-être 5000. 5000. Je paye le mortgage. Maybe pay that mortgage. Ce qui va me rester. What's left? La Ford là, comment là en pick-up. That Ford, Et on aura un pauvre en train de rouler dans les luxes. And you have a poor man driving in a rich man's car. Et cette voiture est faite pour consommer. And that car takes gas. Et après ta voiture, maintenant tu commences, les gens payent dans ta voiture, mais ils ne se rendent pas compte que tu es taximène. People pay in your car, but they don't realize that they are taximène. Quand tu les prends, when you take them, c'est seulement quand tu as quelqu'un qui dit, hey, il n'y a plus assez de carburant, tu n'as pas 20 dollars en bas. Oh, you got no more gas. Can't you give me like les gens payent, mais tu ne leur dis pas. People pay, but you ain't telling them. Comment tu peux investir autant d'efforts how can you spend so pour acheter des passifs? To buy things that are passive. Rien qui ne t'amène quoi que ce soit. That thing that's generating income. Écoutez, quand les gens disent Seigneur, people say, Lord, donne-moi de l'argent. Give me money. Je vais investir. I want to invest. Je veux 40 000 dollars. I want 40, ils pensent que they think that Dieu va leur donner 40 000 dollars. God is going to give them 40,000. Vous êtes sûr? Are you sure? Non. No. Dieu peut vous donner 2 000 plus 3, God plus can 7, give it... plus 500. Plus 300, God plus 400, plus 4, plus 3000, plus 2, et enfin ça fera 5000. Plus, and then you'll get to the 5, enfin ça fera les 40 000. And then you'll get to the 40,000. Parce que Dieu ne multiplie pas les pains. God doesn't multiply bread. Il multiplie les morceaux des pains. He multiplies pieces of bread. Lorsqu'on a amené les pains à Jésus, when they brought the bread to Jesus, pour les multiplier, for multiplication, il les a coupés. Il a donné des morceaux. He gave pieces. Il n'a rien multiplié. He didn't multiply mais anything. Au fur et à mesure que l'on mangeait, but the more they ate, les pains ne finissaient pas. The bread didn't finish. Le problème avec les chrétiens, the problem with us, c'est qu'ils veulent avoir 12 paniers avant de commencer à distribuer. They want to keep the 12 baskets before distributing. Ils veulent avoir un backup avant de risquer. They want the backup before risking. Dieu dit au peuple, God tells the people, par la prophétie d'Agée, je suis avec vous, ça doit vous suffire. I am with you, that's enough for you. Dans l'assiette que Jésus avait,
In the dish, le pain Jesus ne s'est pas multiplié. Bread didn't multiply itself. Mais c'est dans les services. But it's in the que le pain ne s'épuisait pas. As they were giving up. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Tu vas commencer avec ces 2000 là, mais ça va se multiplier en 2, en 4, en 20, en 50 000. Les gens se disent, s'ils veulent commencer une entreprise, if they want to begin a business, c'est une entreprise de 5 millions de dollars. It's gonna be $5 million business. Ah. Really? Si tu ne sais pas commencer une entreprise de 2000 dollars, if you don't know how to manage a $2,000 business, tu ne sauras pas gérer une entreprise de 5 000 dollars. How can you manage a business of $20,000? Le problème, c'est que tu n'aimes pas travailler. The issue is that we don't love to work. Tu aimes gagner du coup. You just love to win instantly. Frères et sœurs, quand Dieu veut commencer une nouvelle histoire avec vous, when God wants to begin something new with c'est qu'il veut que vous puissiez travailler. He wants you to work. Est-ce que vous êtes prêt à travailler? Are you ready to work? Ah oui, il faut travailler encore. Gotta work some more. Travailler durement. Work hard. Travailler le ministère. Work the ministry. Si ton appel est dans le ministère, travaille. If your work is in the ministry, work. Les gens pensent que travailler le ministère, c'est la chose la plus facile. People think ministry is the easiest thing. Oh, Dieu m'a appelé. God je serai prédicateur. Me. I'm a preacher. OK. Good for you. Viens. Come. Viens. Just come. Les mal, c'est que quand ils comprennent qu'ils ne peuvent pas l'être, au lieu d'abandonner, when they understand they cannot be, instead of leaving it, ils continuent à garder le nom pasteur, mais ils deviennent commerçants dans le ministère. They keep the name pastor and now become a businessman with over the pulpit. Vous savez pas combien de sujets scientifiques je dois lire pour pouvoir intervenir sur un seul sujet doctrinal. How many documents I have to read just to speak about one doctrinal point? Combien des auteurs et combien des tendances théologiques je dois maîtriser avant de parler avec équilibre? So that how many theological tendencies I have to master before speaking in a balanced manner? Ce n'est pas lire un verset et dire alléluia, amen. It's not about just a verse saying amen. On doit travailler dans tout. You gotta work it. Il n'y a pas de domaine où vous ne devez pas travailler. There's no area to which you shouldn't work. Ça demande de tout travailler, travailler sa voix, travailler sa guitare. Il n'y a pas de domaine dans la vie où il faut aller croiser les bras. Il faut travailler. There's no area in life where you're going to succeed with your hands crossed. Il y a des gens qui ont l'internet pour aller chercher l'information. There are people who have internet to go seek information. Mais ils appellent Maman Mado. But they call Maman Mado. Maman Mado, eh? Maman Mado. Il faut faire attention avec les doigts parce que. I'll be careful with the fingers. Hey. J'ai fait comme ça, c'est le téléphone. Hein? It's just a phone. Non. Hey, on se connaît. We know each other. Je voulais faire le téléphone. On fait comme ça des fois. We do like this sometimes. Je suis conscient d'être pasteur. I'm conscious of being a pastor. Et congolais. And Congolese at the same time. C'est pas toujours un parfait duo, mais on assume. It's not a perfect duo, but God is. Mamadou. Mamadou. La chose là où tu étais parti là. The thing where you're in there. Où est-ce que je peux avoir ça? Where can I get it? Vous pensez que tout le monde appelle Maman Mado? You think everybody calls Mama Mado for that? Ce que vous apprenez vous-même, vous le retenez mieux. What you learn yourself, you remember it better. Là où vous allez par vous-même, vous avez les meilleures informations. Where you go by yourself, you have the best information. Avoir honte ne va pas enlever quelque chose sur votre peau. Being ashamed will not change your skin color. Paraître ridicule ne va pas vous changer la forme de tête. Looking ridiculous won't change the head of your Mais shape. Allez par vous-même, poser les questions par vous-même, apprenez les choses par vous-même, maîtrisez ça vous-même. Learn it yourself. Ne mettez pas des gens entre vous et votre destinée. Don't put people between you and your destiny. Ce qui te fait ralentir, tu as trop de médiateurs entre toi et ta destinée. What makes you slow is that you have lots of mediators between you and your destiny. Celui qui met trop de médiateurs entre lui et sa destinée. The one has lots of mediators between them and their destiny. Ne pourra jamais consommer seul son butin. Will never enjoy the reward by themselves. Ce que tu deviendras, tu le devras à tout le monde. Because when you're going to become it, you're going to owe everyone. Tout le monde s'entend là. Alors, to say, tu vois maintenant ce que tu es devenu. Hein? Look at what you become tu today. Nous as abandonné. Hein? You've left us, huh? Ah! Mm-hmm. En Lingala, on dit l'argent a mené la séparation. Vous avez compris de quoi je voulais dire. In Lingala, they say that money brought separation. Traduction littérale. Literal translation.
Troisième pensée. Third thought. Ne craignez point. Don't be afraid. C'est ce qu'il leur dit. That's what he tells them. Frères et sœurs. Brothers and sisters. La peur. Fear. Fait avorter toutes les pensées de Dieu dans la vie de quelqu'un. Will make you abort all the thoughts of God in your life. Remarquez très bien dans la Bible. Notice well in the Bible. Quand un ange apparaît pour annoncer un message. When an angel appears to announce a message. Il leur dit. He says. Ne craignez point. Don't be afraid. N'ayez pas peur. Do not tremble. Nous tous, nous avons peur dans la vie. Sometimes we can be afraid. Mais quand la peur te paralyse. But when fear paralyzes you. Tu n'es plus efficace. You're no longer effective. Le diable sait comment nous avoir. The devil knows how to get us. Il sait mettre un peu de la peur. He knows how to put fear. Vous savez qu'est fait la peur? You know what fear does? La peur, c'est comme la foi dans le sens négatif. Fear is negative faith. La peur, c'est la foi que les choses iront mal. Fear is faith that things will turn out badly. Et la peur a tendance à aller très vite. And fear has the tendency to go quickly. Elle s'installe rapidement. It installs itself quickly. Dès que tu as peur, once you're afraid, tu es convaincu. You're convinced. On essaie de t'expliquer, mais tu es convaincu. We try to explain you, but you're convinced. La peur te fait imaginer déjà les résultats. Fear makes you already see, visualize the results. La peur crée en toi une vision. Fear creates in you a vision. Il y a des gens. There are people. ça m'a toujours fait rire. This is pretty funny. Ma maison, at home, la nuit, the night, on a éteint les lumières, lights off, et il y avait des manteaux au coin. There were coats in the corner. Mais quand il a dormi, il s'en était pas rendu compte. But then when he slept, he didn't know that. Il se réveille la nuit. He wakes up at night. Il sent un mouvement dans la maison. He feels a move in the house. Et quand il tourne, and when he turns, il voit la forme de he sees du the manteau. Shape of the coat. Il crie la chose qui m'a toujours fait, qui m'a toujours étonné. He cries out something that always surprised me. J'ai vu quelqu'un. I saw someone. En fait, pour votre information, nous sommes sur la planète Terre. Normalement, tout ce que vous pouvez voir, ce sont des êtres humains. Normally, quand vous en voyez un, pourquoi vous criez? Human. Why are you gonna cry? La peur. Fear. Les habits ne se sont pas changés. The clothes, they didn't transform themselves. Ce n'est qu'une illusion. It's only an illusion. Il n'y a personne dedans. There's no Mais one tu inside. Trembles. Tu peux piquer une crise. But you tremble, you can have a heart attack. Mais il n'y a rien dedans. There's nothing inside. C'est vide. It's empty. Frère. Brother. Ce qui nous empêche d'atteindre une seconde vitesse dans nos vies. What prevents us to reach a certain speed in our lives? C'est la peur. It's fear. On a trop peur. We're so afraid. On a peur du résultat des autres. We're afraid of the results of others. On a peur de la honte. Afraid of the shame. On a peur que ceux qui nous aiment nous rejettent. We're afraid to be rejected by those who love us. Mes frères et sœurs, brothers vous and ne sisters, pouvez pas marcher avec Dieu et atteindre l'unanimité. You cannot walk with God and be accepted by everyone. Le Fils de Dieu. The very Son est venu of God sur la terre. Came on earth. Dieu fait chair. God in the flesh. La perfection matérialisée. A perfection le materialized. Saint de Dieu qui n'a commis aucun péché. The only man who committed no sin. Mais on n'a pas voulu de lui. Some people rejected him. Et toi et moi. What about you and me? Vous croyez qu'on fera l'unanimité? You think everybody will like you? Ne craignez pas d'avoir de l'opposition. Don't be afraid of opposition. L'opposition valide notre victoire. Opposition validates our victory. Comment tu as vaincu si tu ne t'es battu contre personne? How have you overcame if you fought against Vous ne savez pas one? Que deux fois l'opposition nous encourage. Sometimes opposition encourages us. Lisez les psalmistes et dites, regarde leurs menaces, Seigneur. The psalmist says, look regarde, at their threats. Lisez les actes des apôtres. Look, read the acts of the apostles. Les apôtres disent, regarde leurs menaces. The apostles say, look at et their threats. Et donne à tes serviteurs d'annoncer l'évangile avec puissance et par des miracles. And give us the power to announce with boldness and miracles. Il y a des ennemis que Dieu garde. The enemies that God will keep. Parce qu'ils vont être une façon de nous encourager. Because they're going to encourage us. Laissez-les là. Leave them there. N'ayez pas peur. Don't be afraid. N'ayez pas peur. Don't be afraid. Le courage. Courage. C'est la capacité d'avancer. Is the capacity, the ability of going sans forward. Sans attendre que ta peur disparaisse. Without waiting for your fear to disappear. Tu avances. You just keep on going. Sans attendre que ta peur disparaisse. Even when you feel afraid, keep on going.
Tu es un peu comme peur. You are like, mais tu avances quand même. But see, I'm going anyway. Tu avances quand même. Pushing onward. Tu avances quand même. You're feeling afraid, il y a but you, une peur, you mais go, ça ne te laisse pas là où tu es. But fear won't paralyze you where you are. Vous avez peur de quoi? What are you afraid of? Écoutez-moi, frère. Listen. On ne peut beau dire. It's good to say. Que Pierre était un disciple bizarre. That Peter was a pretty weird disciple. Mais personne. But no one. Ne peut renier le fait que. Can deny the fact that il n'y a qu'un seul disciple qui a marché sur l'eau. There's only one disciple who walked on water. Pierre voit quelqu'un venir. Peter sees someone coming. Et les autres disciples. And other disciples. Il dit mais ça c'est un monstre. They say it's a ghost. C'est un fantôme. It's a phantom. Jésus dit non c'est moi. They say no, cut chill, it's me. Non 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 si c'est toi. If it's you. Écoute ce que lui dit. Si c'est toi. He said, Lord, Peter says, Lord, if it's you. Ordonne que je marche sur l'eau comme toi. Command that I walk on the waters like ça, you. Ça n'aurait pas pu être vraiment mon argument moi. Ça n'aurait pas pu être mon test à moi. That would have been my test. Pour savoir que c'est Jésus. Do you know it's Jesus? J'allais lui poser une question plus pragmatique. I was going to ask a practical question. Jésus, si c'est toi. Jesus, if it's you. Qu'est-ce qu'on a mangé au petit déjeuner? What do we eat for breakfast today? Attends, j'aurais pu lui demander, Jésus, si c'est toi. I said, Jesus, if it's you. Quel est mon petit nom? What's my nickname? Mais écoutez ce qu'il veut. But listen to what he wants. Il dit, les Jésus, il y en a. You know, there are lots of Jesus. Mais les Jésus que moi j'ai rencontré. But the Jesus I met. La première fois que je le rencontre. The first time I met him. Il avait le pouvoir sur l'eau. He had powers over the water. Je n'avais pas de poisson. I had no fish. Mais sur sa parole. But on his j'ai word, eu des poissons. I found the fish. Si c'est lui. If it's him. Il n'a qu'à parler. You only have to je speak. Ferai ce qu'il fait. I will do okay. What he tells me to do. C'est là que ça devient intéressant. This is why it becomes si interesting. Dieu est notre Dieu. No, if God nous devons is our God, faire les choses que lui fait. We have to do what he does. On doit nous évaluer par rapport aux résultats de Dieu. We have to evaluate ourselves according to the results of God. Tu es sûr God? Que Dieu ferait ce que toi tu fais là? Are you sure that God will do what you are doing? Jésus a parlé. Jesus spoke. Il dit bien sûr, viens. He said, come on. À partir de là. From then on. Oh, le Saint-Esprit va me fortifier. He didn't say, Holy Spirit strengthen me. No. Maintenant, no. C'est ta responsabilité. Now it's your responsibility. La parole est parlée. The word is spoken. L'eau a entendu. The waters heard. Que le roi de gloire a dit viens. That the king of glory said come. L'eau sait. The waters know. Qu'il va te porter quand tu vas venir. That it will carry you when you mais go. Toi tu n'oses pas. But you don't dare to walk. Quelquefois dans la vie. Sometimes in life. Ce qui nous fait peur a peur de nous. What makes us afraid is afraid of us. La raison pour laquelle. The reason why le peuple de Jéricho ne sortait pas. The people of Jericho weren't going out. C'était parce qu'ils avaient peur d'Israël. Because they were afraid of Israel. La Bible dit lorsque Jéricho apprit qu'Israël était dans les parages. When Jericho learned the Israelites were near. Ils se sont barricadés de dedans et de dehors. They locked themselves in and out. Pas d'immigration, pas de migration. No immigration, no emigration. Eux-mêmes qui devaient sortir ne sortaient plus. They were supposed to go out, ils se sont réduits la liberté en ayant peur d'Israël. They reduced their freedom because they were mais afraid de l'autre of Israelites. Côté, Israël a peur d'aller attaquer Jéricho. But the other side, Israel is afraid frère, of Jericho. Il est possible que ce que toi tu crains est préparé déjà à te craindre. What you're afraid of is already prepared to fear mais you. Tu ne le sauras jamais si tu n'avances pas. But you'll never know it if you don't push on. Tu ne le sauras jamais. You'll never know it. Écoutez-moi. Listen to me. Il y a des portes dans la vie. There are certain doors in life qui n'ont pas besoin de clés. That don't need keys. Nous voulons jamais avancer. We'll never want to move forward. On demande Seigneur, donne-moi la clé. Say, God, give me the keys. Donne-moi la clé. Just give me the key. Donne-moi la clé. Give me the key. Vous savez? You know? Les portes automatiques, c'est maintenant que nous les connaissons. You know, automatic doors, we know them now. Mais demandez à Pierre quand il était en prison. But ask Peter when he was in prison. L'église priait pour lui. The church was praying for le him. Seigneur envoya un ange. The Lord sent an angel. L'ange est venu. The angel il a dit came. Pierre, he said, Peter, lève-toi. Get up. Dès qu'il s'est levé, when he got up, ses chaînes se sont brisées. His chains were broken. Il a commencé à marcher. Began walking. Il le croyait faire un rêve. He thought he was dreaming. L'ange l'a fait marcher. The angel made him walk. Et quand il arrivait à la porte de fer, and when he reached the la porte principale door, où on fermait la prison, the main door of the prison,
La porte de fer s'est ouverte automatiquement comme on s'ouvre aujourd'hui. It opened like an automatic door. Ils n'ont pas ouvert la porte de fer. They didn't open the door. La porte de fer s'est ouverte. The iron door opened itself. Parce que quelquefois, nous sommes nous-mêmes la clé. We are the key to open that door. Une porte automatique signifie qu'on n'a pas besoin de clé. Votre présence est la clé. An automatic door means you don't need a key. Your presence is plus the key. Plus vous approchez, plus la porte capte votre présence. The more the door is quand vous arrivez, when you get there, alors boum, ça va s'ouvrir. Bang, it opens. Mes frères et sœurs, de fois, vous avez les poches vides. Sometimes you have empty pockets. Allez, allez, vous êtes la clé. Keep on, you are the key. Vous n'avez pas besoin d'avoir de l'argent pour avoir des idées. You don't need money to get ideas. Vous n'avez pas besoin d'argent pour écrire votre projet. You don't need money to write your plan. Ne craignez point. Don't be afraid. Vous ne pouvez pas être chrétien. Can be a Christian. Et ne pas croire que vous êtes capable de fleurir dans une terre étrangère. Thinking that you can unable to flourish in a foreign land. Parce que le Dieu de la Bible, because the God of the Bible, c'est le Dieu de Joseph. God of Joseph. Le Dieu de la Bible, the God of the Bible, c'est le Dieu qui promet aux gens une terre qui ne leur appartient pas. Is the God who promises people a land that doesn't la terre promise n'était pas vide. The promised land wasn't il y avait empty. Des Jébusiens, des Phéréziens, des Cananéens. Quand Dieu te fait une promesse pour quelque part, when God makes your promise ce n'est pas que ça sera vide, so mais empty. Il t'enverra substituer et remplacer quelqu'un. He'll send you to substitute and replace someone. Si Dieu te fait une promesse, if God does your promise, il n'y a rien qui puisse te disqualifier. Nothing can ni la langue, not your language, ni la couleur de peau, nor your skin ni color, les diplômes, nor your diploma, ni les qualifications, nor your ni les relations. Nor your avance! Move on. Si tu travailles, tu es sérieux avec toi-même, Dieu va t'ouvrir les portes. If you're serious in your work, God will open your doors. Dieu est fidèle. God is faithful. Il ne fait pas de distinction de personne. God does not show favoritism. Si tu es sérieux avec ce que tu fais, if you're serious in your work, si tu prends ça au sérieux comme Dieu le prend au sérieux, if you take it seriously as God does, ça n'a rien à voir avec d'où tu viens. It will do nothing from where you come from. Ça n'a rien à voir avec la couleur de ta peau. It has nothing to do with your skin color. C'est juste combien suffisamment sérieux tu es. It's a matter of how serious are you. Si tu es vraiment sérieux, if you're really serious, et que tu ne crains pas, tu travailles comme il se doit, and you work as you should, Dieu est obligé de te distinguer. God is obliged to distinguish you. Ça, c'est la Bible. That's the Bible. Pourquoi avez-vous peur? Why are you afraid? Il y a des fois les parents qui ont peur de leurs enfants. The parents who are afraid of their children. Qui ont peur sur au sujet de leurs enfants. They're afraid about their children. Et ils ne vont pas là-bas. Joey, don't go there. Parce que tu nous as déjà vu faire ça. Have you seen us doing that? J'ai entendu une maman un jour qui disait. I heard a mother saying. Mon fils est revenu chez moi. My son came il back. Veut jouer au football américain. He wants to play American football. Tu as déjà vu un de tes ancêtres qui a joué au football américain? Have you ever seen your ancestor play American football? Il n'est pas un de ses ancêtres. He's not one of his ancestors. Il est lui. He's him. Laisse-le partir. Let him go. Si Dieu a mis en lui ce vouloir là, laisse-le partir. If God gave him that desire, let him go. Ton enfant n'est pas ton arrière-grand-père. Your child is not your great. Il n'est pas une répétition d'une histoire. He's not a repetition of il est history. Une histoire unique que Dieu veut fonder. He's a new story that God is laisse-le writing. Vivre les pages de son histoire. Let him live the pages of his history. Une mère qui frappait son fils tout le jour parce qu'il aimait trop préparer les nourritures. There's a mother who used to beat his son up because the boy loves to cook. Quand il dit cook, eux ils voient les réchauds tout ça. Non, pas les réchauds, c'est-à-dire le maca là. L'yoto. No. I don't mean like cook in a chef, just like with charcoal. On le frappait parce que c'était les filles qui jouaient comme ça. Because they would say that, oh no, it's the girls who used to do those kind of stuff. Il a eu son diplôme de chef. And then he had his diploma as a chef. Il est maintenant parmi les grands chefs des grands restaurants en Europe. He's one of the top chefs in Europe. N'aie pas peur. Don't be afraid. Ne cherche pas des garanties chez les autres. Don't try for others to give you a guarantee. Vous savez, nous, généralement, nous avons l'habitude de dire, qui a déjà fait ça? We all love to say, who already did this? C'est toi qui vas commencer ça aujourd'hui. You think you're going to be the first one? Dites-moi, qui a dit que je ne peux pas commencer ça? Qui a dit que ça ne peut pas être moi? Je ne suis pas Christophe Colomb, c'est ça? Am I not Christopher Columbus?
Qui a dit que ça ne peut pas commencer avec moi? Who said it can't begin with me? Non, mais toi, tu penses quoi? Who do you think c'est you toi are? Qui seras le premier à faire ça? You think the first one to do it? Hey. Qu'est-ce qui me disqualifie à être le premier? Dites-le-moi. Tell me, what's disqualifying me from being the first? Quoi? What? Qui t'a dit que tu dois toujours aller copier ce que les autres ont fait? Who told you you have to always copy what others are doing? Ça, ça ne se fait jamais, justement parce que c'est moi qui devais le faire. Oh, maintenant que je suis là, on va le faire. Oh yeah, because I'm here, we're going to do it. Oui. Yep. Pourquoi vous avez peur? Why are you afraid? Ne craignez pas. Don't be afraid. Non, je vais aller dans cet endroit-là, je vais leur demander. See, I'm going to go there and ask them. Tu vas leur demander ici, refuser. What if they refuse? Est-ce que quand quelqu'un refuse, toi tu meurs? If someone says no, are you going to die? Il a refusé. They refuse. Et tu pars. You go, you continue, next man. Et s'il acceptait? But what if he accepted? C'est là le problème. That's the problem. S'il accepte, if he accepts, c'est là que toi tu diras qu'il avait la magie. That's why you're going to say, oh, he had magic. Ce gars, il est pas normal. Comment il est allé là-bas, on a accepté. Il est courageux, c'est tout, un point, c'est tout. Il n'a pas peur, il est allé. He went. Vous perdez beaucoup plus en ayant peur. You lose a lot by being afraid. Vous resterez tout le jour en train de vous dire et si, et si. Vous ne saurez jamais si vous n'essayez pas. You'll never know unless you try. J'avais un frère un jour. No brother one day. Il venait nous voir, disait qu'il aimait une sœur. He came to tell us that he liked a sister. Et and? Il n'osait pas lui parler. He didn't want to speak to the sister. Non, mais si je lui disais, ça peut nuire nos relations. Si elle disait non. It can mais si elle disait oui, no. Ça va marcher. What if it says yes, non, brother, je sens work. Encore, je ne veux pas encore, je sens. I don't want. Pendant que lui, while he was, un autre frère, il est allé voir la sœur. Another brother went to see the sister. La sœur a dit oui. The sister said yes. Le frère a piqué une crise de gastrite. The brother had stomach problems. Il a perdu 20 kilos. He lost 20 kilos. On a fait un jeûne de 21 jours pour le délivrer. We did a fasting of 21 days to deliver him. Je parle des choses vraies. True story. C'est en priant que notre sœur ait un message prophétique. It's like praying the sister had another prophetic message. Et dit vous priez pour rien. You say you're praying for nothing. Demandez-lui de parler à un tel. Ask il a cité un frère, dit demandez-lui d'ouvrir son cœur et de parler à celui-là. He said tell open your heart to speak to another one. Et il va lui dire. And he'll say. Dis je meurs. He said I'm dying. Et elle était là. She was there. Elle était she was left me. Il faut jamais hésiter. Don't hesitate. Un autre frère qui faisait tous ses efforts. Another brother doing all his efforts. Pour pouvoir courtiser une sœur. So that he can court a sister. Mais puisque la langue était difficile. But because his language was difficult. Il peut dire une chose, mais il dit une autre. He wants to say one thing, but he comes out as another. Vous avez vraiment dit tout ce que vous pensiez, mais vous ne l'aviez pas dit comme il fallait. You say everything you thought, but not as you should. Et un jour, il a eu la chance de sa vie. And then he had the luck of his la sœur a commencé à comprendre qu'il le courtisait quand même. Il voulait dire quelque chose. La sœur s'est dit, bon, je vais quand même lui faire une fleur. Il a dit, mon frère, he said, brother, mais si tu m'aimes, dis-le. If you love me, say it. Et le frère dit, le. He said, le. Ça, c'était une passe en or. That was a gold le frère pass. S'est dit, the brother said, tout ce qu'il fallait dire, c'était le seulement. If you say, tell me you love me. De tout le temps, je me suis battu. All the time I fought. C'était seulement dire le. It was only to say mais dès love. Que la sœur a dit, si tu m'aimes, dis-le. Lui, il a crié, le, me, là, c'est de dire le. Et il a sauté, le. He said, if you love me, say it, it. Vous savez, ça nous fait rire. You know, it's funny. Mais en sortant d'ici, but from going que out personne here, ne vous fasse peur. Let no one make you afraid. Vous fasse peur. Let nothing make you afraid. Vous avez peur pourquoi? What are you afraid of? Le Tout-Puissant est de votre côté. The Mighty One is on your side. Qu'est-ce qu'ils vont vous faire? What can they do to vous avez tué quelqu'un? Non. You killed someone? No. Vous avez fait du mal à quelqu'un? Non. Did you steal from mais, someone? No. Mais pourquoi vous avez peur? Why are you afraid? Tout ce que vous pouvez rater là-bas, everything you're gonna miss tout, ce que ça, tout le mal que ça peut vous faire, all the hurt it can bring, c'est que ça va vous donner de la sagesse. It'll give you wisdom. C'est tout. That's all. Vous allez juste apprendre. Just at least c'est tout ce que learn. Vous allez perdre. That's all. Vous allez perdre un peu de temps. You're gonna lose all the time. Le temps que vous aurez pu mettre sur YouTube ou sur quoi que ce soit. The vous allez juste mettre ce YouTube. Temps pour risquer faire quelque chose. If you just risk to try something. Enfin, avant de prier. And then before praying, Dieu God est fidèle à l'alliance. He's faithful to the covenant. Dieu a dit, God said, je suis fidèle à l'alliance. Faithful to my covenant.
Nous, les chrétiens, as Christians, nous n'avons pas vraiment besoin d'une alliance personnelle avec Dieu. We don't really need a personal covenant with God. Parce que nous sommes sous l'alliance d'Abraham. Because we're under the covenant of Abraham. Comme Galates le dit, reconnaissez que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Like the book of Galatians says, know that those who have faith are the children of Abraham. Et nous sommes entrés dans cette nouvelle alliance avec Christ par son sang. And we entered this new covenant with Christ through his blood. Qui nous a restaurés au Père. That restored us. Mais il ne manque pas moi. But que Dieu fait des engagements personnels. God can do personal commitments with us. Des vœux individuels. Personal vows. Que de fois nous avons tendance aussi à appeler des alliances. That sometimes we can confuse to call covenants. Quelque chose que nous, Dieu nous a promis à nous personnellement. Something that God promised us personally. Mon frère, s'il y a une chose que Dieu ne peut pas faire, if there's something God cannot do, c'est aller en l'encontre de sa nature. Is to go against his nature. Dieu ne ment pas. God is not a man to lie. Je peux vous l'assurer, Dieu ne ment pas. Can we assure that God does not lie? Assurez-vous seulement que vous restez fidèle à l'alliance. Just know that he is faithful to the covenant. Parce que lui, because him, il restera fidèle à l'alliance. He will remain faithful. N'abandonnez pas en chemin. Don't give up halfway there. Ne vous dites pas. Don't say. Je l'ai fait, ça fait déjà 3 ans. I've been at it for 3 years. Imaginez. Just imagine. Ce peuple en train de tourner. These people turning in the wilderness. Autour du mur de Jéricho. Turning around the walls of Jericho. Ils auraient pu se dire, nous avons déjà tourné 6 fois. They say we turned 6 times. Il n'y a des résultats qu'à la 7e fois. But there's only results on the 7th time. N'abandonnez pas. Don't give up. Restez fidèle à l'alliance. Stay faithful to the covenant. Quand est-ce que Dieu agira? When will God act? Il agira quand il agira. He'll act when he'll act. Juste quand il agira. Only when he'll act. Ça fait la bonne chose avec le mur de Jéricho. It's good with the walls of Jericho. C'est que pendant 6 jours. For 6 days, il n'y a eu ni fissure, there was no cracks, ni trous, no holes. Pendant les 6 fois du 7e jour, but on the 6th time, ni tremblement, 7th day, no earthquake, ni trous, no holes. Mais à la 7e fois, but the 7th time, tout s'est fait instantanément. Everything happened instantaneously. Ce n'est pas parce que rien ne se fait sur la terre, it's not because nothing happens on earth, que rien ne se fait au ciel, that nothing happened in heaven. Ce n'est pas parce que tu ne vois rien ici-bas. It's not because you see nothing here below, que le ciel n'est pas engagé. That heaven is not committed. Ce n'est pas parce que tu ne vois pas des fissures sur le mur. It's not because you don't see cracks in the wall, que ça ne va pas s'écrouler. That the wall won't fall down. Des fois, Dieu ne donne pas des signaux. Sometimes God doesn't give signals. Mais c'est seulement en son temps. But only at it, in que les time, choses arrivent directement. That things happen directly. Dieu est fidèle à l'alliance. God is faithful to the covenant. Deux fois dans la vie, il est important de faire un vœu personnel avec Dieu. Sometimes it's important to do a personal vow with God. Moi, je ferai ceci pour toi. I'll do this with you. Et si lui vous fait une promesse, and if he does a promise, restez là-dessus et rappelez-la lui. Stay at it and remind him daily. Dieu, tu m'avais dit, God, you told que tu feras ceci et tu feras cela. That you'll do this, this and that. Et il le fera, mes frères. And he'll do it. Le jour où Dieu accomplit sa parole, the day God fulfills his word, la météo n'en parle pas. The weather doesn't speak about it. C'est juste un jour comme tous les autres. It's a day like every other day. Vous ne voyez pas quelqu'un dire aujourd'hui c'est le jour de l'accomplissement des promesses de Dieu. Non. You don't see someone blowing a trumpet saying today tu vas normalement au boulot. Tu rencontres normalement les gens. You meet people, mais tu finis extraordinairement ta but journée. You finish your day extraordinary. Dieu est fidèle. God is faithful. Oui, même si vous n'en avez pas les signes extérieurs, even if you don't see it with cela eyes, n'empêche pas sa fidélité. It doesn't hinder the faithfulness of our God. Dieu est fidèle. God is faithful. Il n'a jamais menti personne. God has never lied to anyone. Personne. No one. Si quelqu'un vous dit que Dieu l'a menti, amenez-le ce soir. If someone says God ou amenez-le demain. Or tomorrow. Et il aura la preuve que Dieu ne ment jamais. He'll have the proof that God does not lie. Pourquoi Dieu vous mentirait? Why would God lie to you? Qu'est-ce qui vous fait croire qu'ici au Canada, Dieu est limité? What makes you think that in this country, Canada, God is limited? Dieu n'a pas besoin d'autorisation. God needs no one's permission. Il ne fonctionne pas avec une monnaie. He doesn't work with a currency. Il ordonne et la chose arrive. He commands and things move into fulfillment. Il dit et elle existe. He says and it's being. Aucun système gouvernemental ne s'impose sur son autorité. No government system rules over him. Il est grand. He's great. Il est puissant. He's mighty. Il achète sans argent. He buys without money. Il le place sans que le nom soit dans la liste. He places even when il you're not in the list. Il impose quand il veut. He imposes when he wants. Celui le roi des rois. He's the king of kings. Et il reste fidèle. He's faithful God. Est-ce que vous pouvez encore? What more can you? Faire confiance à Dieu. If you can only just trust in God.
Sûrement que juste là, nous sommes sans s'élever pourtant. Even without standing up. Que nous puissions juste lever légèrement nos mains. If we can just lightly lift up our hands. Je crois que nous puissions demander pardon à Dieu pour toutes les fois où on a eu peur, là où il attendait qu'on puisse faire quelque chose. Let's ask for forgiveness for all the times we were afraid when God wanted us to be courageous. Prions s'il vous plaît. Let's just pray. Je pense que quelqu'un doit demander pardon à Dieu pour toutes les fois où il a eu peur. Someone needs to ask God forgiveness for all the times they were afraid. Toutes les fois où ce n'était pas la faute de Dieu. Every time it wasn't the fault of God. C'était ta propre faute. It was your own fault. Tu avais la parole. You forgot the word. Tu avais la parole. You had the word. Tu avais la faveur, le don. You had the favor, the gifts. Et tu as hésité. You hesitated. Pardonne-moi d'avoir hésité. Forgive me for having hesitated. Ce soir, tonight, aie pitié de moi. Have mercy on me. J'ai eu peur. I was afraid. Mais pourtant, tu dis si tu as peur. Well, you said if I'm afraid. Si tu trembles. If I tremble. Je te ferai trembler. I'll make you tremble. Je ne vais pas encore trembler. I don't want to tremble anymore, God. Je vais te faire confiance. I want to trust in you. Je veux aussi encore ce soir que nous puissions prier à Dieu et lui dire. I just want us to pray to God and say. Père, pardonne-moi pour toutes les fois où j'ai pris ma créativité pour la concentrer dans les mauvaises choses. Every time I took my creativity to concentrate it on bad things. Je prie tout ce que je pouvais imaginer des biens. Everything that I could have imagined of good. Je l'ai pas investi dans la bonne direction. I didn't invest it in the good direction. Et donne-moi. Give me. De la créativité. Creativity. Pour que je travaille. So that I can work. Prions ensemble. Let's pray. Je t'assure, ne laisse pas le diable te faire croire que tu prieras à la maison. C'est maintenant que nous prions. Don't let the devil tell you to pray at home. It's right now in your own words. Nous sommes en train d'arroser cette semence. We are watering that seed. Oui, c'est le meilleur moment de prier pour ça. It's the best time. Ça ne prendra pas beaucoup de temps, juste prier. Just parler pray. À Dieu. Speak to God in your own parle words. Au Saint-Esprit. Speak to the Holy Spirit. Parle au Saint-Esprit. Speak to the Holy Spirit. Parle au Saint-Esprit. Speak to the Holy Spirit. Que ferais-tu des idées que Dieu va te donner? What are you going to do with the ideas God is going to give you? Prends-tu l'engagement d'aller jusqu'au bout? Are you taking the commitment to go till the end? Ne néglige pas les faibles commencements. Don't neglect the humble beginnings. Les amis peuvent te décourager. Friends can discourage you. Prends-tu l'engagement d'aller jusqu'au bout avec les idées qui viennent de Dieu? Do you take the commitment to go until the end with the ideas coming from God? Je ne crains plus. I won't be afraid. Je n'ai plus peur. Won't be afraid. Car Dieu est avec moi. God is with me. Commence à le déclarer. Begin declaring that. Je crois en ta présence. I believe in your presence, je God. Je n'ai plus peur. I'm not afraid anymore. Je te fais confiance. I'm trusting in you. Dans tous les domaines de ma vie. In all areas of my life. Pour moi-même. For myself. Pour mes enfants. For my children. Pour les projets que tu m'as donnés. For the plans you have given me. Pour parler de Jésus, évangéliser. To evangelize, to gagner speak les about âmes. Jesus. Je n'ai rien à perdre. I have nothing je to n'ai lose. Plus peur. I'm not afraid. Je n'ai plus peur. I'm not afraid. Christ doit être prêché. Christ has to be l'évangile preached. Doit être partagé. The gospel has je to be n'ai shared. Plus peur. I'm not afraid. Je n'ai rien à perdre. I have nothing to lose. Je n'ai rien à perdre. I got nothing to je lose. Dois risquer. I have to risk it. Je dois risquer. I have to risk it. Je n'ai plus peur. I'm not afraid. Dieu est avec moi. God is with me. 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 Oh là. Dieu est avec moi. God is with me. Dieu est avec moi. God is with me. Je voudrais ce soir prier pour tous ceux. So now I want to pray for everyone.
qui ont des idées et des projets qui sont encore en stock, qui n'ont pas encore pris les risques those people de have mettre en œuvre. Ideas that I haven't put to work yet. Je ne parle pas juste d'une pensée, je parle d'un projet que tu rumines plusieurs fois. Mais, a plan that you thought about for a while. Mais que tu n'as pas encore pu matérialiser. But you haven't seen come to fruition. Je veux juste que vous puissiez lever la main là où vous êtes. I just want you to lift up your hand where you are. Je crois au Dieu qui guérit les malades. I believe in the God that heals the sick. Mais qui donne aussi aux moyens pour ce que, des moyens pour ceux qui ont des projets. But also a God who gives means to those who have plans. Je crois à Jéhovah Rapha. I believe in Jehovah Rapha. Je crois aussi en Jéhovah Jireh. I also believe in Jehovah Jireh. Père, je prie pour ces projets. Father, I pray for these projects. Ils ont eu suffisamment de courage pour lever la main. Ils croient à leur projet. They had enough courage to lift up their hands. They believe in their project. Je prie, Père. Pray, Father. Étonne-leur chaque fois qu'ils prendront le risque. Surprise them every time they'll take the risk. Chaque fois qu'ils auront un petit morceau. Every time they'll have a little. Qu'ils prendront le risque d'investir. That they'll take the risk to invest. Multiplie-le. Multiply it. Je prie que tu multiplies. I pray that you multiply. Certains ont besoin juste de contacts et des relations. Donne-leur les Some contacts. Some just need relationship. Give it to them. Certains ont juste besoin de savoir les endroits où il faut acheter, obtenir. Donne-leur des endroits. Some need to know the right vendors. Give them to it. D'autres ont juste besoin des signatures et des validations. Donne-leur ces signatures. Some need just signatures and validation. Give it to them, oh Lord. D'autres ont juste besoin des capitaux et des investisseurs. Donne-leur ces capitaux, Some ces investisseurs. Some just need a startup capital. Please give it to them. D'autres ont juste besoin des bailleurs de fonds et des associés financiers. Donne-leur ces choses. Some just need financial partners. Give it to them, Lord. Et fais que Père, do, oh Lord, d'ici l'année prochaine, that from next year, que nous ayons ici, that we may have here, les gens qui deviendront leurs propres patrons. People that will become their own bosses. J'annonce que l'année prochaine, I announce that next c'est year, l'année de l'indépendance, is the year of independence, où des gens deviendront leurs propres patrons. Where people are going to become their own bosses. Où les gens deviendront leur propre patron. People are going to become their own bosses. Père, je prie. Father, I pray. Pour une nouvelle génération. For a new generation. Une nouvelle génération que tu aimerais élever dans cette église. A new generation that you're lifting up in this church. Que tu prépares et que tu prépares. That you're preparing and preparing. Qui vont aller au-delà des limites de cette église. That will go beyond the limits of this church. Là où cette église a évolué. Where this church started. Et la prochaine génération. And the next generation. L'amènera plus loin. Will bring it further. Merci, Père. Thank you, Father. Pour ces espions que tu enverras très loin. For these spies you're going to send very far. Et qui ramèneront ici le fruit du pays. And that will bring the fruit of the land. Une nouvelle génération arrive. A new generation is coming. Elle amènera toutes les races. It will bring all the races. Elle amènera toutes les langues. It will bring all the tongues. Elle fera de ces lieux une maison de transformation. A house of transformation. Où les gens viennent, quelle que soit la manière dont ils étaient. People come here, however they were. Et la parole les changera. And the word will change la vie them. De Christ les transformera. The life of Christ will transform et la them. Famille chrétienne qui trouvera ici les restaurera. And the Christian family will find you will restore them. Père, je prie. Father, I pray. Oh, de l'ébosha la bayadi. Kandala. Alléluia. Merci Seigneur. Thank you Lord. Alléluia. Dieu est fort, Dieu est puissant. God is strong, Dieu God est is fidèle. Mighty. God is faithful. Je déclare la restauration de couples ce soir. I declare the restoration of families, marriages. Je dis que le diable ne vous détachera pas. The devil will not divide you. Non, je refuse ça au nom de Jésus I de Nazareth. That in the name of Jesus. Je déclare que ce que le diable veut séparer, Dieu le joint de force What avec the devil force. Wants to separate, Il God les maintient it ensemble. And maintains it together. Il les maintient ensemble. It je together. Refute les divorces sous toutes ses formes. I on ne séparera pas les familles. On n'aura pas des enfants bâtards en train de rouler à gauche, à droite parce que les parents sont partis. Je déclare l'unité des familles dans cette église I au nom de Jésus de Nazareth. In this church, in the name of Jesus. Cette famille, cette église sera connue à cause des familles, de la stabilité familiale, this de la stabilité des couples et des foyers qui est ici. Will be known for families that are stable that will come here.
Alléluia. Je voyais dans mon esprit une réunion de prière. I saw in my spirit a prayer meeting. Et dans cette réunion de prière, les gens faisaient des semences. And in that prayer meeting, people were sowing. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils étaient en train de faire. On a fait comme un appel financier. They did like a financial altar call. Et les gens étaient en train de donner. C'était un grand moment de finance. It was des dons financiers. It was a time for financial gifts. Et même des dons matériels. Even physical gifts that they were bringing. C'était un moment de sacrifice. Des gens ont vraiment fait des sacrifices. People really sacrificed. J'étais en train de voir dans mon esprit des gens venir. I saw people coming. Devant et donner. And giving. Mais j'en ai vu d'autres, des couples, des gens en train d'aller personnellement voir le pasteur et donner. I saw other couples personally going to give. Je prie encore pour savoir exactement c'était à quelle saison de l'église. I'm trying to know exactly what season of the church. Mais ce que l'esprit de Dieu est en train de me dire, but what the spirit of God is telling me, que l'année de la moisson de cette semence là est arrivée. That the year of the reaping of that seed has come to pass. C'est sûr que vous avez dû faire des appels ainsi de suite. Maybe you have to make calls here and there. Mais je parle de ces appels où les gens sont venus vous voir en particulier, pasteur, ils ont fait des sacrifices personnels. Where people came to see you individual, they make personal sacrifices. Dieu est en train de me dire ceci. God is telling me. L'année de ces sacrifices, de la moisson de ces sacrifices est arrivée. The year of reaping from those sacrifices has come. Oh, gloire à Dieu. Glory to God. Voici ce que le Seigneur me disait. This is what the Lord was telling me. De vous dire, homme de Dieu. To tell you, man of God. Je vous voyais en train de parler des véhicules de l'église. I saw you speaking about the vehicles of the church. Posséder des véhicules de l'église. You're possessing the vehicles of the church. C'est quelque chose qui tourmente votre cœur. Vous vouliez bien avoir des moyens de transport qui appartiennent à l'église, qui ont le nom de l'église dessus. You want to own transportation that have the name of the church on it. Et Dieu dit, and God says, c'est parmi les vitesses que vous allez obtenir ici en cet endroit. It's one of the accelerations to obtain here in this place. Pendant que je priais, while I was praying, je voyais des véhicules, des vans qui entraient. I saw vans coming in. Et ils avaient le logo de l'église. They had the logo of the church. Et le Seigneur était en train de me dire, and Lord was telling me, voilà comment je suis en train de l'exaucer. Here's how I'm answering their ce que prayers. Dieu va faire dans cette église, what God will do in this et church, il va d'abord commencer à vous faire posséder. Vous allez avoir des choses propres à vous-même. He's going to make you possess. You're going to have things that belong to you. Des choses qui sont propres à vous-même, yours, qui vous appartiennent à vous-même, that belong to you. Parce que vous êtes dans une saison où Dieu veut vous enraciner. God wants to vous, root you. Vous n'allez plus, vous ne serez plus superficiel. Vous allez prendre des racines. You won't be superficial. You gotta take roots dans cette ville. In this city. Ce qui m'étonnait, c'est que vous n'aviez même pas encore fait une année ici. You haven't done one year here. Mais je voyais quatre endroits où vous étiez en train de vouloir ouvrir des extensions. I saw four places where you're opening, looking to open extensions. Alors le Seigneur dit ceci. The Lord is saying this. N'attendez pas de devenir parfait ici. Don't try to be perfect here. Parce que le temps de votre apostolat est arrivé. Because the time of your apostleship has come. Ce n'est pas, je vais expliquer ça comme ça. Ce n'est pas normal qu'on vous appelle pasteur. It's not normal for people to call you pastor. Vous n'êtes pas pasteur. You're not really a pastor. Vous êtes un apôtre. You're an apostle. Et ce n'est pas la première fois que vous entendez ça. And it's not the first time le Seigneur vous a appelé pour implanter des églises en grand nombre et vous promener partout pour pouvoir les édifier. God placed you to go and plant church and go and edify them. Oh, je ne leur demande pas de commencer à vous appeler apôtre. I'm not telling them to call you apostle yet. Mais je suis en train de leur dire, but I'm telling them, que votre vocation à vous, that your vocation n'est pas pour une assemblée. It's not for an assembly. Vous êtes les bâtisseurs de temples. You are a builder of temples. Et l'Éternel me demande de vous dire ceci. And the Lord is telling n'attendez me to tell pas you, finir ici, don't wait to finish here, pour pouvoir multiplier ailleurs. To multiply elsewhere. Parce que ça va aller beaucoup plus vite que vous l'imaginez. Because it'll go faster than you think. Ainsi parle l'Éternel. That says the Lord. Ça sera une, it'll be one, deux, it'll be two, trois, three. Ça sera les quatre premières églises qui seront les signes, it'll be the four churches that'll be a sign, de la dimension de votre apostolat qui revient. Of the dimension of your apostleship that's coming. Dieu dit, God says, les pasteurs à servir, the pastor served, l'apôtre doit se manifester. The apostles that la prochaine dimension himself de votre appel the second, the next ne, dimension of your ne call se manifestera pas à force de rester ici. Will not show up by you remaining parce que here. La saison est arrivée où on doit vous appeler père, 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 père. Where they should call you father, father, le father, Seigneur father dit, j'exauce son vœu d'avoir des fils. I
answers prayer to her son. Parce que je vous voyais, vous et votre femme, en train de prier et dire, I saw you and your wife praying, Dieu donne à nous des fils et des filles, des gens qui sont à nous. Give us people that are ours. Et le Seigneur disait ceci, and the Lord said, je vous donne des fils, I give you sons, je vous donne des filles, I give you daughters, je vous donne même des petits fils et des petites filles. I even give you granddaughters and grandsons. Non seulement que le Seigneur fait de vous père, not only God makes you mais father, il fait de vous père des gens qui sont capables de produire. He makes you father of those who are able Dieu to produce. Va se mettre à vous surprendre. God will surprise vous you. Verrez passer sur cette chair You'll see on this une génération plus jeune. A younger generation. Je les annonce prédicateurs. I announce them Je preachers. Les annonce prophètes. I announce them Je prophets. Les annonce pasteurs. I announce them Je pastors. Les annonce serviteurs de Dieu évangélistes. I announce Je les evangelists. Annonce une confiance pour cette église. I announce them a Ils le montreront sur cette chair. They'll vous n'allez pas les reconnaître. Ce sont des filles, des garçons. Vous n'allez pas les reconnaître. Mais ce sera un signe que le temps de l'apostolat a commencé. Que le temps de l'apostolat a commencé. Oh nalabaya shatalabasiki. Oh nalabaya shatalabasiki. Père, merci. Father, thank you. Merci. Thank you. Il y a combien de Jérémie dans cette église? How many Jeremiahs are there? Yeah. Un seul. Il est où? Il n'est pas là. Il n'est pas là? Il y en a? Deux. Il y en a un ici? C'est ok. Bon. L'autre comment? Gros et lancé. Entre lui et l'autre, qui est plus sombre? L'autre. C'est l'autre qui est sombre. Celui que je vois est lancé, mais il est sombre d'état. He's a bit dark. Il s'appelle Jérémie aussi. He's called Jeremy. Et il n'est pas venu aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il fait? Il est interprète aussi. Ah, oh, interprète aussi? Ok. Alors, vous direz ceci à Jérémie. So, this is what you're c'est quoi son nom de famille déjà? Mukuna. Oh, c'est lui, exactement. Oh, it's him. C'est Jérémie Mukuna. Oh, is that Jeremy Vous direz Mukuna? Ceci à Jérémie. So, you're going to tell this to Jeremy. Ainsi parle le Seigneur. Thus says the Lord. Le temps où les clés que je lui ai données pour sa famille. The time where the keys I give him for his family. Pour ouvrir la destinée des autres, to open the destiny of others, ce temps-là est arrivé. That time has arrived. Dites ceci à Jérémie. Tell this to Jeremiah. Je veux faire passer des choses par ses mains, pas pour lui. I'll make things go through his hand, not for him. N'ayez pas peur de lui dire. Don't be afraid to tell Ainsi him. Par l'Éternel. That says the Lord. Je le rendrai riche. I'll make him rich. Je lui ai donné entre les mains. I'll give in his hands. Je lui ai donné entre les mains les clés. I gave it in his hands. Jérémie va commencer à ouvrir leurs membres de famille les uns après les autres. We'll begin opening members of family one after another. Quand vous lui direz ça, il va rire. When you're gonna say it's gonna laugh. Dites-lui ceci. And then add this. Il va avoir des appels. He'll have calls. Mais il aura les moyens avant les appels. But he'll have those means before the calls. Parce que je le voyais assis en train de dire, pourquoi on m'appelle? Qu'est-ce que moi j'ai de spécial? He said, why are they calling me? Why Qu'est-ce que je dois special? Donner? Pourquoi on ne fait que m'appeler pendant que je n'ai rien? Why are they calling me when I have nothing? Ainsi parle le Seigneur. That says the Lord. Il n'attendra plus qu'on l'appelle. He won't wait for them Lui, to be il appellera called. Pour envoyer. He will call to send. Lui, il appellera pour édifier. He will call to edify. Il appellera pour partager. He will call to share. Parce que Jérémie, en fait. Because Jeremy, in fact. Ok. Parce que Jérémie, en fait. Because Jeremy, in fact. Il doit savoir. He has to know. Ok. Jérémie se pose la question s'il doit faire des études bibliques. Jeremiah asks himself the question whether he should do Bible study. S'il doit aller faire de la théologie ou apprendre des choses dans la Bible. Where he needs to learn theology, learn things in the Bible. Parce que plus que jamais, il ressent l'appel de Dieu commencer à monter. Because he feels the call of God rising. Et il se demande s'il doit faire ça à temps plein. He asks, should I do it in full time? Dites-lui ceci. Tell him this. Ce n'est pas encore le moment de temps plein. It's not yet time for full time. Il va répondre deux appels simultanément. He'll answer two calls simultaneously. Le temps plein viendra un jour. The full time will come one day. Mais le besoin de la formation, c'est maintenant. But the time of training is right now. C'est maintenant qu'il doit se mettre à se former. But right now he has to sit to be trained. Parce que les responsabilités qui l'attendent. Because the responsibilities waiting for him. Il n'a aucune idée de ce que c'est. Because he has no idea what they are. Le Seigneur veut le faire monter plus haut. The Lord wants to exalt him. Les clés que le Seigneur lui a données ne sont pas seulement pour la famille. It's not the keys God gave him not only for the family. Mais c'est aussi pour le ministère. But also for the ministry. Jérémie est un dirigeant de la prière. Jeremiah is a prayer leader. Quand il dirige la prière, when he leads prayer, vous entrez en profondeur. You go deeper. Dieu a mis dans sa bouche God put in des his mouth clés pour le bonheur des autres. Keys for the goodness of others. Ah, je regrette que Jérémie ne soit pas là. Ah, Jeremy.
Père, merci. Father, thank you. Pour le fait que for the fact that il n'y a rien qui t'attend. There's nothing that surprises you. Il n'y a rien qui t'attend. Nothing surprises you. Avec toi, tout est précis. With you, everything is precise. Tu nous as appelés pendant ces trois jours. You called us during these three days. Ce n'était pas pour nous raconter des racontars. It wasn't to tell us fables and stories. Tu as nourri notre esprit. You fed our spirits. Tu as nourri notre esprit. You fed our spirits. Et nous voulons aller là-bas pour pratiquer. And we want to go there to practice. Nous voulons aller là-bas pour pratiquer. We want to go there to practice. Nous voulons aller dehors et rendre ça en acte. We want to go outside and turn it into et nous verrons and we'll see que tu es un Dieu qui ne ment jamais. That you're a God who never lies. Je pense qu'aujourd'hui, comme tout a commencé un peu en retard, because we began a bit late today, je ne voudrais pas abuser de votre temps avec les, vous savez, les prophétiques, des fois ça prend du temps. You know, prophetic sometimes takes time. On va le faire demain au concert et dimanche peut-être. Maybe tomorrow in concert and also on Sunday. Parce que j'entendais quand même quelques personnes, j'en voyais d'autres, je pourrais voir le temps de leur parler personnellement au lieu de le faire toujours en public. I'll speak to others personally instead of just doing publicly. Mais ce soir, tout ce que j'aimerais vous dire, I just want to tell you tonight, vous n'avez pas besoin d'une prophétie personnelle. You don't need a personal prophecy. Tout ce que je vous ai prêché depuis que je suis arrivé ici, everything I preached since I was here, c'est ce que Dieu m'a dit pour vous. It's what God told me for you. May God bless you.